Strasbourg aux vives, Amélie prépare son embarcation pour l'entraînement. Dans la famille des sportifs de Souffelweyersheim, Amélie Le Sclotour, 33 ans, pratique le kayak de haut niveau. Ma discipline, c'est le kayak de marathon. C'est une discipline qui se fait en eau plate. Le principe du marathon, notamment, c'est de sortir du bateau, courir sur le bord pour réembarquer. Et donc, quand on est sur le bord, on se ravitaille en même temps. 26 km entrecoupés de 6 portages sur 100 mètres. Ça demande une bonne condition physique, une forme qu'elle entretient 15 à 20 heures par semaine. Vous commencez par la série difficile, c'est-à-dire on lance le bateau tout de suite. Elle a une capacité d'entraînement, c'est-à-dire d'encaisser les entraînements et d'être hyper sérieuse et très pointilleuse sur tout ce qu'elle fait. Le plus difficile avec elle, c'est de lui demander de s'arrêter. En équipe de France à 20 ans, Amélie a ensuite privilégié études et vie de famille. Puis elle est revenue dans le coup. En 2013, elle décroche sa première médaille de bronze biplace aux World Games en Colombie. C'était une très belle expérience, voilà, c'était loin, c'était en Colombie. Quand on revient avec une médaille, c'est toujours important. 4 ans plus tard et un petit passage à vide, nouvelle médaille internationale, le bronze, la première en monoplace sur une Coupe du Monde en Belgique. C'était vraiment très bien, une course où je savais pas où j'allais me situer par rapport aux autres filles, et puis ben, du coup, voilà, c'est une course qui se finit bien. Aujourd'hui, Amélie est 19e mondiale, triple championne de France monoplace. En juillet, elle décroche une 8e place au championnat d'Europe en Croatie, puis une 14e aux mondiaux du Portugal, ses meilleures références. 14e, c'est pas si mal. Je visais un top 10, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pas de quoi décourager la Vosgienne installée à Souffel, qui nourrit encore beaucoup d'ambition pour 2019. C'est une année un petit peu phare pour nous, l'équipe de France Marathon, puisque les championnats d'Europe seront en France. Donc forcément, on veut faire le mieux possible. Le podium, ça va être, je pense, quand même difficile. On va viser un top 5. À 33 ans, Amélie repousse chaque année la retraite sportive. J'ai pas encore l'impression d'avoir fait le tour de la question et voilà. Et pour l'instant, je me fais plaisir. Donc tant qu'on se fait plaisir, y a pas de raison d'arrêter. En attendant 2019, Amélie, multiple championne d'Alsace, termine la saison par le premier championnat régional Grand Est, fin octobre à Épernay. Encore une occasion de prendre du plaisir aux commandes de son kayak.